On va prendre notre Bible dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. Jean, chapitre 17, nous lirons du verset 1 au verset 5. Merci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et pria. Version 10, et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Amen. » Le thème de ce matin, l'œuvre achevée. Ou l'œuvre est achevée. Il est important que nous comprenions que Dieu a tout fait pour nous, les hommes. Et que Dieu a donné celui qui a de plus cher pour nous sauver. Et cette œuvre est achevé en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre œuvre à faire. La seule importante et efficace, c'est celle que Jésus a accomplie à la croix. Et c'est bon que nous le sachions pour pouvoir mener une vie de chrétien équilibrée. Autrement dit, que je le sente ou que je ne le sente pas, Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Amen. Il dira ceci, Père, dans sa prière, l'heure est venue. De quoi il parle? Il parle de sa mort prochaine. Il parle du Golgotha. Il parle de la croix. Et Jésus accepte cette heure dans laquelle il va entrer pour mourir. L'heure est venue. L'heure pour laquelle tu m'as envoyé sur cette terre est venue. Et je ne vais pas me dérober à cette heure. Je m'engage avec toi pour accomplir ta volonté. Et regardez ce que Jésus dit dans ses paroles. Au lieu de se plaindre, de se lamenter et de pleurer, il dit ceci, « Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Mourir sur la croix, accomplir le plan de Dieu, même de la souffrance, pour Jésus, c'est glorifier le nom de Dieu. Et frères et sœurs, pour saisir cette vérité, il faut vraiment que nous soyons près de Dieu. Parce que la souffrance nous rebute. Mais par la souffrance de Jésus à la croix, le nom de Dieu a été glorifié. Puisque par cette mort et cette résurrection, désormais tous ceux qui croient en Jésus sont sauvés. Et ont la vie éternelle. J'aimerais m'attarder un peu là-dessus. La gloire de Dieu, c'est comme on l'a entendu ce matin, tout à l'heure, dans ce témoignage de guérison. C'est la bénédiction de Dieu. Mais j'aimerais vous dire aussi qu'une certaine gloire de Dieu est associée à la souffrance. Est associée aussi aux larmes. Est associée aussi aux cris des cœurs.
Et pour comprendre cela, il faut vraiment être rempli de l'Esprit. Parce que cela va à l'encontre des valeurs de ce monde. Dites-moi, Jésus, le Fils de Dieu, qui meurt à la croix, pour les humains, c'est un scandale. Mais pour nous qui connaissons le Seigneur, c'était pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu nous donne ce discernement, frères et sœurs, à comprendre aussi ces choses. Et Jésus ne recule pas devant cette heure. Il va y entrer. Et parfois aussi, Dieu permet ces choses dans nos vies. Et que ce matin, son esprit nous encourage pour ne pas reculer. Mais quand c'est l'heure de Dieu et qu'on accomplit les choses comme Jésus l'a fait, il n'est pas resté sur la croix. Dieu lui-même l'a ressuscité des morts. Amen. Dieu nous viendra toujours en aide pour nous secourir et nous aider. Glorifie donc ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Et j'aimerais aussi dire ceci. La gloire dont Jésus parle ici n'est pas à sens unique. C'est-à-dire que Dieu est glorifié, mais Jésus aussi est glorifié. Par mon obéissance au plan de Dieu, à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, je glorifie Dieu. Mais parce que je me suis soumis à sa volonté et fait ce qu'il m'a demandé, Dieu aussi me glorifie. Amen. Et je prends le mot glorifier au sens hébreu du terme. La gloire, glorifier quelqu'un, c'est lui donner du poids. Parce que tu donnes du poids à Dieu, Dieu aussi te donne du poids dans ta vie. Tu n'es plus léger. Quand le vent souffle, la tempête se lève, Dieu, parce qu'il t'a donné du poids, tu demeures ferme. Aucun vent ne peut te branler. Merci Seigneur pour cette grâce. Alléluia. Et que ce matin, vraiment, l'Esprit nous éclaire et nous donne d'entrer dans ces vérités. Deuxièmement, tu lui as donné pouvoir. Jésus reconnaît que Dieu lui a donné pouvoir, c'est-à-dire autorité. Sur qui ? Sur tous les êtres vivants. Autrement dit, que vous croyez en lui, que vous ne croyez pas en lui, Jésus a de même autorité sur votre vie. Amen. Il a pouvoir sur notre vie. Et cette autorité s'étend sur tous les êtres humains. Et il est bon aussi que nous nous rappelions, frères et sœurs, cette autre vérité. Jésus, parce qu'il s'est soumis à son Père, parce qu'il a fait ce que son Père lui a demandé de faire, son Père l'a revêtu d'autorité. Amen. Son Père l'a revêtu de pouvoir. Il n'est pas seul. Son Père est avec lui. Il a l'autorité. Notre sœur a dit aussi dans son témoignage qu'il nous faut parfois prendre autorité devant la maladie. Et oui, mais la source de cette autorité, elle vient de Jésus. Amen. Que ce matin aussi Dieu nous encourage. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Alors là, j'aimerais déjà faire une remarque. Certains diront donc que Dieu a déjà choisi les sauver. Non, c'est pas ce que dit le texte. Le texte dit simplement que personne ne peut venir à Jésus si Dieu n'a pas d'abord toucher son cœur. D'accord ? Voilà. Et quelle que soit notre condition, quelle que soit notre situation de vie,
si nous reconnaissons, nous nous reconnaissons comme pécheurs et demandons pardon à Dieu, le sang de Christ nous purifie de tout péché et nous permet d'entrer aussi dans la vie éternelle. Amen. Pour me faire comprendre, il n'y a pas des gens qui sont sélectionnés d'avance pour être sauvés. Non. C'est chacun qui doit se positionner devant la parole. Et en faisant cela, Dieu nous donne alors, ou Dieu nous ouvre les yeux, l'Esprit nous ouvre les yeux, pour que nous puissions entrer dans le plan du Seigneur. Et quand on accepte Jésus comme notre sauveur personnel, l'Esprit Saint vient habiter en nous. Amen. Donc pour ceux qui évangélisent, qui rendent témoignage, que le Seigneur ce matin vous encourage par ses paroles. Gloire à Dieu. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et Jésus va définir, troisièmement, ce qu'est la vie éternelle. Parce que là aussi, on serait tenté les uns les autres de définir la vie éternelle selon notre subjectivité, notre opinion, etc. Non, c'est la parole qui définit, qui décrit ce qu'est la vie éternelle. Et Jésus va lui dire ainsi, la vie éternelle, c'est quoi ? C'est qu'ils te connaissent, toi d'abord, le seul vrai Dieu, le seul unique Dieu. Il n'y a pas deux dieux dans ce monde, il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a beaucoup de faux dieux, il y a aussi des faux prophètes, etc., dans un don spirituel, où Dieu nous met en garde. Et il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé tous les hommes, tous les hommes. Tous les hommes sont les créatures de Dieu. Mais à cause du péché, tous les hommes ne sont pas fils de Dieu ou enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut accueillir Jésus dans sa vie. Il faut accepter Dieu comme le souverain sauveur et faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean va lui dire dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on ne naît pas enfant de Dieu, même si vous êtes deux chrétiens, quand on donne naissance à un bébé, il n'est pas encore chrétien. C'est un petit pécheur. Et en grandissant, il va s'ouvrir, parce qu'on l'enseigne dans les voies de Dieu, à la lumière de Dieu, et se convertir. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, dans nos milieux évangéliques, on ne baptise pas les enfants. Parce que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu et envers des hommes. Que ce matin encore, l'Esprit nous éclaire par ses paroles. Donc toi, le seul vrai Dieu qui te connaisse, et deuxièmement, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, je voudrais déjà faire aussi une remarque. N'opposons pas Dieu et Jésus. Des fois, des gens ont du mal. Bien sûr, nous adorons un Dieu en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais ces personnes ne sont pas opposées. Elles travaillent toujours ensemble. Je vous donne un exemple. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus sur la terre des hommes pour les sauver. Et Jésus, sachant qu'après sa résurrection, il repartirait vers le Père, n'a pas voulu le laisser comme des orphelins. Que va-t-il faire ? Il a prié pour que le Père répande sur nous où nous accorde le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez que chaque personne joue sa fonction en plein régime. Et ces personnes sont complémentaires. C'est que parfois, nous, on oublie. Le Dieu qui nous a sauvés travaille en union, le Dieu le Père, avec son Fils et avec le Saint-Esprit. Apprenons aussi à travailler ensemble en union. Amen. Il n'y a pas de concurrence.
La gloire de Dieu, c'est la gloire de Jésus. La gloire de Jésus, c'est la gloire du Saint-Esprit. Amen. Et toutes ces personnes travaillent pour un but commun, glorifier Dieu et sauver les hommes sur cette terre. Merci Seigneur d'être venu. Et devant la mort, tu n'as pas reculé. Tu as accepté d'aller jusqu'à la mort de la croix, pour que je sois sauvé, pour que nous soyons sauvés. Frères et sœurs, à cause de cette œuvre de Jésus, restons-lui fidèles jusqu'à la mort, jusqu'au bout, quelle que soit l'épreuve, la tempête qui souffle. Lui mérite qu'on l'aime, il mérite qu'on le serve et il mérite qu'on l'adore. Et il dira ceci, mon Père m'a envoyé sur cette terre pour accomplir une mission. Pour accomplir une œuvre. Et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Waouh! Quel modèle, quel exemple il nous donne encore? Dites-moi, devant la haine, devant l'injustice, devant la mort, n'aurait-il pas tout laissé tomber? Sa mission, il a accompli jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parfois, pour nous, point oui, point non, on arrête tout. Non. À chacun de nous, Dieu a confié une œuvre. Et il faut aller jusqu'au bout pour que l'œuvre soit achevée. Parce qu'en achevant l'œuvre que Dieu lui a donné à faire, il satisfait le cœur de son Père. Si c'est Dieu qui nous a sauvés, si c'est Dieu qui a donné son Fils unique sur la croix pour nous libérer de la mort, Dieu ne nous a fait aucun mal. Pour lui, acceptons comme Jésus d'aller jusqu'au bout, d'achever l'œuvre. Et parfois, le vent souffle, il y a des oppositions immenses, mais Jésus a gardé le cap. Nous aussi gardons le cap et allons jusqu'au bout. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Il dira d'ailleurs dans l'évangile de Jean au chapitre 19, au verset 30, cette parole retentissante, forte et puissante, tout est accompli. Tout est accompli. Pas quelques éléments, mais tout est accompli. Tout ce que Dieu lui a demandé de faire, il a tout accompli. Alléluia. Frères et sœurs, et c'est par là qu'aussi on voit la gloire de Dieu. Ce n'est pas de faire la moitié du chemin, de faire quelques œuvres, mais c'est de tout faire. Et c'est dans ces temps de la fin, frères et sœurs, que l'Esprit de Dieu nous ramène au fondement biblique. Avant d'être serviteur de Dieu, je suis d'abord enfant de Dieu. Amen. Et ça, il faut qu'on le réalise. Donc tous, Dieu nous a confié une œuvre qui n'est pas forcément la même, mais cette œuvre, il faut l'accomplir jusqu'au bout. Et il dira, j'ai glorifié ton nom. Où? Dans le ciel? D'abord sur la terre. Amen. On est sur terre. Donc sur terre, on a des choses à faire aussi. Et sur terre, Jésus glorifie le nom de Dieu.
Et sur terre, nous aussi, nous devons glorifier le nom de Dieu. Par nos pensées, par nos actes, nos paroles, que le nom de Dieu soit glorifié. J'ai pris un deuxième exemple, celui de Paul, qui dira ses paroles dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Lui aussi a achevé la course. Et avant de dire cela, il dira, d'abord, j'ai combattu le bon combat. La vie chrétienne, c'est aussi une vie de combat. C'est une vie de lutte. Mais cela n'a pas empêché Paul, malgré tout, d'achever la course. Que ce matin, Seigneur, par ta grâce et ton esprit, que la course que nous avons commencée, les uns les autres, qu'on ne s'arrête pas au bout de quelques mètres, quelques années, mais que nous puissions aller jusqu'au bout. Que nous achevons la course. Mon frère, ma sœur, quel que soit ton âge, tu es engagé dans cette course pour la vie éternelle. Il ne laisse rien dans ce monde te détourner de ta destinée. Que Dieu soit béni. J'ai achevé la course. Et il ajoutera, j'ai perdu la foi. Ah, j'ai gardé la foi. Des fois dans cette course, on arrive presque au bout et on est fatigué, épuisé. Et surtout, ne disons pas j'ai perdu, mais disons j'ai gagné. Amen. Ça fait fuir le diable. Et même s'il faut ramper pour arriver au bout, je préfère ramper et arriver au bout que de faire demi-tour. Merci Seigneur pour ta grâce. J'ai gagné. Nous avons gagné. Waouh! Avec l'aide et le secours de Dieu, on est arrivé au bout de la course. Seigneur, merci. Et il y ajoutera, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là, frères et sœurs? Que la couronne de justice est réservée aux vainqueurs, pas aux vaincus. Seigneur, je veux faire partie ce matin de cette catégorie de vainqueurs. Pas pour dire que je suis fort, mais parce que j'obéis à ton plan. Et que par ta grâce et ton esprit, tu m'aides, Seigneur, à demeurer ferme jusqu'au bout. Merci Seigneur. Et il termine en disant, le juge parfait me le donnera, ou me la donnera, pardon, en ce jour. Waouh. Jésus a été couronné d'épines par les hommes. Mais comment Dieu a couronné Jésus? Il a couronné de sa gloire. Amen. Là aussi, une parenthèse. Les hommes peuvent nous couronner d'épines. Le plus important, c'est la couronne de Dieu sur notre vie. Amen. Et pour cela, allons jusqu'au bout. Et soyons déterminés. Seigneur, merci. En ce jour, tu me donneras cette couronne. Toi-même, toi le juge parfait. Et je voudrais dire aussi un mot sur la notion de juge parfait. C'est là dit que tous les juges de cette terre sont imparfaits. Il n'y a qu'un seul qui est parfait dans son jugement, c'est Dieu. Mais un jour, on se retrouvera tous devant lui, comme le seul juge qui va juger, quand Paul écrit ces choses, qui va juger nos actes et nos œuvres.
Seigneur, que ce jour-là, nous puissions trouver miséricorde devant ta face. Enfin, j'ai bientôt terminé. Jésus dira maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi. Ces paroles sont importantes aussi. Des fois, on lit les versets tout rapidement. Les versets 5. Là. Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi. Jésus, en quelques mots, nous dit qu'avant de venir sur cette terre des hommes, il était dans la gloire. Sur cette terre, frères et sœurs, chers amis qui nous visitaient ce matin, lorsque, par vos mérites ou par vos combats ou par l'aide de votre famille, vous arrivez à un poste élevé dans la société, vous n'avez pas envie de le perdre. Jésus, alors qu'il est dans la gloire, il laisse tout pour revenir, recommencer au niveau des humains. Waouh! Cette gloire, il avait auprès de Dieu. Cette gloire, il avait avec Dieu. Et quand son père cherche quelqu'un à envoyer sur ces terres des hommes pour faire sa volonté, qui enverrai-je? Et il lui dit, mais voici, envoie-moi. Mais il ne vient pas avec sa gloire, il ne vient pas avec sa puissance, il vient en réduisant tout l'éclat de sa majesté. Il naît dans une étable. Et pour simplifier, quand il meurt, on lui prête un tombeau. Mais tout cela, Jésus a accepté. Comment Dieu qui a créé les hommes peut être dans le sein d'une femme pendant 9 mois? En l'occurrence, ici, Marie. Et se soumettre. Ce matin, je voudrais, par ces paroles, vous livrer le secret de la gloire de Dieu. Il y a des grandes choses. Mais la gloire aussi de Dieu passe aussi par l'humilité, par la petitesse, et même parfois, je ne dis pas toujours, par l'humiliation. Mais après, quand Dieu nous relève, Jésus a été élevé au-dessus de tous les anges, de tous les hommes, de toute autorité. Et quand vous lisez les derniers chapitres de Matthieu, il dit, toute autorité m'a été donnée dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Et c'est pourquoi, lorsqu'on prie au nom de Jésus, les démons tremblent. Quand on prie au nom de Jésus, les ténèbres reculent. Au nom de Jésus, la lumière jaillit. Et Dieu nous donne la victoire. Mon frère, ma sœur, il vit en toi celui qui a créé le monde, celui qui a vaincu la mort et qui ce matin veut t'accorder sa grâce et sa puissance. Merci Seigneur. Conclusion. Jésus a commencé comme nous aussi nous commençons. Il a commencé et il ajoute, j'ai achevé. D'où le titre de ce message ce matin. L'œuvre est achevée. Jésus a achevé l'œuvre que le Père lui a confiée. Deuxième exemple, Paul, l'apôtre Paul, a aussi un jour commencé. Et il a achevé la course. Il n'a pas abandonné en cours de chemin. L'œuvre que Jésus lui a confiée. La question que j'aimerais te poser ce matin, et toi, feras-tu de même
en imitant Jésus et Paul, à toi de choisir. Que Dieu, dans sa grâce, nous éclaire tous. Et que son nom soit béni. Pour rien au monde, ne laisse pas cette œuvre inachevée. Mais au contraire, comme Jésus, comme Paul, va jusqu'au bout. Achève l'œuvre que Dieu t'a confiée. Et lui-même, un jour, te rendra toute la gloire. Merci Seigneur pour sa parole. Nous prions maintenant. Merci encore ce matin de nous parler, d'éveiller notre conscience, notre esprit, afin que nous prenions toutes nos responsabilités comme Jésus l'a fait. Je te prie que à chacun de nous à qui tu as confié une œuvre, un service, nous comprenions que la source du service et de l'œuvre vient de toi. Et nous voulons, Seigneur, apprendre à nous attacher à toi et à obéir à ta voix jusqu'au bout. Ce matin, Seigneur, viens relever le faible, comme nous l'avons chanté. Viens restaurer nos vies encore, Seigneur. Et nous croyons qu'il est encore temps, que l'heure est venue pour nous, non pas d'aller à la mort, mais l'heure est venue, Seigneur, pour nous de nous réveiller, de nous relever. Ce matin, donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. On reste dans le recueillement, dans la prière. Ce matin, tu as entendu la voix de Dieu dans tel ou tel domaine de ta vie. Il n'est pas là pour te juger ni te condamner. Quand Dieu parle, c'est pour éveiller notre conscience, notre esprit, pour nous aider à avancer, à quitter la mauvaise position pour revenir à la bonne position, à quitter le mauvais chemin pour reprendre le bon chemin. Et j'aimerais vous aider dans cela avec l'action de l'Esprit ce matin au milieu de nous. Si tu as entendu la voix de Dieu et que tu sais que tu as besoin encore de son secours pour t'aider, lève-toi à ta place, je vais prier avec toi et pour toi ce matin. Au nom de Jésus. Vaut mieux prendre les bonnes positions sur terre que de se retrouver dans le ciel tout honteux, tout confus. Dieu ce matin n'est pas là pour te condamner ni te juger, il est là pour t'aider, pour te secourir. Seigneur, mon Dieu, il connaît les raisons pour lesquelles tu as arrêté, où tu n'as plus de force. Il connaît tout cela et ce matin, il veut te pardonner, te purifier, t'aider à retrouver le sens, la direction qui mène à la vie éternelle. Alléluia. Seigneur, tu vois toutes ces personnes. Tu connais leur vie. Tu connais leur combat, leur souffrance aussi, leur désarroi. Et ce matin, nous prions pour elles, pour que tu visites leur âme, tu visites leur esprit au nom de Jésus, afin de les fortifier. Et quelles que soient les épreuves, les combats de la vie, Seigneur, en toi, toutes ces personnes soient trouvées vainqueurs au nom de Jésus. Et que ce qu'elles ont commencé, qu'elles n'ont pas pu achever ce matin, tu recrées une nouvelle connexion pour qu'elles aillent jusqu'au bout par ta force et ta puissance au nom de Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Toute la gloire t'a soit rendue. Amen.